Shalom à vous, shalom et bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes là encore ce matin et pour passer des bons moments dans la présence de Dieu, nous saluons tous ceux qui sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse. Et une journée vient d'être ajoutée dans le compteur de ta vie. Dieu t'ajoute une journée. Dieu te fait confiance. Dieu croit qu'il est important que tu puisses te réveiller ce matin. David a dit, c'est une journée que l'Éternel, notre Dieu, a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Nous croyons que la journée d'aujourd'hui est une bonne journée pour nous. Nous croyons que Dieu a prévu des choses qui doivent s'accomplir aujourd'hui dans ta vie. Donc, je voulais dire à quelqu'un que ce n'est pas un hasard. Donc, c'est vraiment dans son plan. Il a voulu. Il veut que tu arrives en ce jour et il a prévu des choses qui doivent s'accomplir dans ta destinée aujourd'hui. Alléluia. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Donc, le matin, nous sommes en train de précéder l'aurore. Le matin, nous sommes en train de passer du beau moment dans la présence de Dieu. Nous saluons la présence de tout un chacun. Nous bénissons nos enfants, nous bénissons nos frères et sœurs, nous bénissons nos amis. Vous qui êtes partout dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous donne au-delà de ce que vous pouvez imaginer et penser. Nous sommes très contents et très bénis d'être là ce matin. Que Dieu nous bénisse. Hier, j'étais en train de lire le métro, donc le métro, là, le journal qui se partage gratuitement ici à Bruxelles. Donc voilà, donc j'étais en train de le lire et j'ai découvert l'histoire d'un homme, un homme qui a passé 39 ans de sa vie dans une prison aux États-Unis pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Et donc voilà que ce n'est qu'après 39 ans que la personne qui avait témoigné à l'époque, c'était un jeune homme de 12 ans, donc celui qui avait dit qu'il avait vu en train de tirer sur une victime. Mais cet homme est revenu à ses déclarations pour dire après 39 ans que tout ce qu'il avait dit là, c'était pas vrai. Et l'homme a été libéré, donc il a quitté la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux imaginer quelqu'un qui a passé 39 ans de sa vie en train de payer pour un crime qu'il n'a pas commis? Donc voilà, donc bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Tous ceux qui sont dans la prison, et ils ne le sont pas simplement parce qu'ils sont coupables. Donc il y a des innocents qui sont en train de payer pour des choses et qui n'ont pas fait. C'est comme on dit, innocent, oui. Donc quelqu'un qui n'a rien fait, mais par faute de preuves ou encore par faute de parce qu'il n'a pas l'argent et il a été condamné et voilà qu'il a passé 39 ans de sa vie dans une prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, donc ce qui peut arriver. Donc quand tu es en liberté, il faut être reconnaissant envers Dieu. C'est pas que non, parce que je le méritais, c'est parce que je fais pas du mal. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des innocents qui sont en prison. Donc la liberté que Dieu nous a donnée, c'est un privilège. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons le bénir pour cette liberté que nous avions. Alléluia. Donc ce n'est pas notre thème de ce matin. Ce matin, nous sommes toujours en train de parler de la destinée. Donc, nous sommes toujours en train de parler de la destinée. Et aujourd'hui, nous avions intitulé notre message que nous devions lutter pour notre destinée. Et hier, nous avions parlé des hommes qui ont raté leur destinée. D'accord? Donc, on a parlé de certains hommes, pas des hommes normaux, comme je le dis, des hommes de Dieu. Donc, des gens qui ont marché avec Dieu, mais qui sont passés à côté de leur destinée. J'avais dit à quelqu'un que si tu n'arrives pas à accomplir ta destinée, Dieu va t'échanger. Donc, je voulais dire à quelqu'un que Dieu va te remplacer. La plupart des gens que nous avions vu mourir ici sur la terre, surtout des hommes de Dieu, ce sont des gens qui ont été remplacés. Pourquoi ils ont été remplacés? Parce que Dieu t'a donné une destinée à accomplir. Mais tu n'arrives pas à accomplir cette destinée. Tu rentres dans une distraction, d'accord? Donc, tu deviens distrait et là, Dieu n'est plus d'accord. Qu'est-ce que Dieu fait? Alors Dieu va te retirer et il va donner cette destinée à quelqu'un d'autre et qui pourra te remplacer. Cette personne, c'est pas qu'il n'existait pas. Une autre personne qui existait déjà, d'accord? Ça peut être aussi ton enfant.
D'accord, nous avons vu des hommes de Dieu qui avaient un grand ministère, mais qui a échoué dans son ministère. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris le même ministère, il l'a confié à quelqu'un d'autre pour que cette personne-là puisse l'accomplir. Parce que le plan de Dieu doit s'accomplir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je dis, nous devons être sérieux avec Dieu. Nous devons lutter pour l'accomplissement de notre destinée. Ma sœur, tu n'es pas venue sur terre pour rien. Tu es venu pour accomplir une destinée. Tu es venu. Dieu ne peut pas créer une femme sans mari. D'accord? Donc ton mari existe. Il est où? C'est ça la question que toi et moi, nous devons nous poser. Et qu'est-ce qui t'empêche de le rencontrer? D'accord? Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans ton mariage? Du moment où je sais que la volonté de Dieu est que moi, je sois marié et que le mariage n'arrive pas à s'accomplir dans ma vie, là, je vais me lever et je vais commencer à lutter pour rentrer dans mon mariage. Alléluia. Donc, je veux faire tout ce que Dieu demande à une femme de faire pour que je puisse rentrer dans ce mariage. Je veux faire tout ce que Dieu m'a donné pour que je sois un homme marié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, je suis dans Ésaïe chapitre 40, le verset 27. Donc, Ésaïe chapitre 40, le verset 27, Dieu pose la question à Jacob. Dieu lui dit, pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Vous savez, il y a des gens qui croient que leur destinée est cachée devant Dieu. Il y a des gens qui croient que Dieu ne le voit pas. Il y a des gens qui croient que Dieu les a oubliés. Donc, ici, c'était le cas de Jacob, parce qu'il était en train de passer des moments difficiles. Il était en captivité. Il était dans le tourment, d'accord? Il était dans l'abandon. Et Jacob croyait que Dieu l'avait oublié. Or, ce qui est encore plus grave, pas seulement Jacob, mais Israël, d'accord? Donc, quand nous parlons de Jacob et d'Israël, oui, c'est vrai que c'est la même personne. Mais quand est-ce que Jacob devient Israël? Vous savez que Jacob, il devient Israël lorsqu'il rencontre Dieu. D'accord? Après avoir lutté avec Dieu, après avoir cédé les commandes, la direction de cette vie entre les mains de Dieu. Alléluia. Et donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu lui pose la question. Dieu lui dit, mais pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? En fait, quand je parle de Jacob et de Israël, cela veut dire quoi? Je parle de Bolavie, c'est-à-dire que le fils de ma mère, le fils de mon père, mais je parle aussi de Bolavie étant que serviteur de Dieu. Combien des hommes de Dieu, combien de femmes de Dieu, combien des servantes de Dieu se plaignent chaque jour, le matin, en disant que ma destinée est cachée devant Dieu. C'est comme si Dieu ne voit pas ma destinée. C'est comme s'il y a quelque chose qui empêcherait Dieu de voir ou de contempler ma destinée. Pourquoi? Parce que ma situation ne change pas. Alléluia. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que ma destinée est-elle cachée devant Dieu? Est-ce que Dieu y voit ma destinée ou bien il y a quelque chose qui lui empêche de me voir? Est-ce qu'il y a-t-il une voile maléfique qui empêcherait Dieu de voir ta destinée? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et non, 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 non. Là, Jacob pose la question. Mon droit passe-t-il inaperçu devant Dieu? C'est peut-être la question que tu te poses, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ton droit passe-t-il inaperçu devant Dieu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te rassurer ce matin. Je suis venu rassurer une personne. Je voudrais te dire que Dieu y connaît le projet qu'il a formé pour toi. Je répète, j'aime la Bible, j'aime cette parole. Et dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, Dieu y répond à Jérémie. Parce que vous savez, Jérémie, c'est un prophète qui a beaucoup souffert. D'accord? Donc le prophète qu'on appelait le fils de l'homme, il a beaucoup souffert. Cet homme a passé des moments difficiles dans sa vie. Il est parmi ceux-là qui ont souffert à cause de Dieu. D'accord? Mais Dieu lui répond en disant que je connais le projet que je formais pour toi. Dieu lui dit non, je connais ces projets et ce ne sont pas des projets de malheur. D'accord? Donc il faut que tu luttes pour l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc tu dois lutter pour l'accomplissement de tes destins.
D'accord. Donc, il faut que tu l'aides. Il faut pas dire que non, Dieu m'a oublié. Il faut pas dire que ma destinée est cachée devant Dieu. Non, ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. Dieu veut dire à son peuple que sa destinée est appelée à se manifester. Ta destinée n'est pas cachée. Ta destinée doit se manifester, ma sœur. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois pleinement vivre ta vie. Alléluia. Donc, il y a la volonté de Dieu. Mais cette volonté ne doit pas simplement se faire dans le ciel. La volonté de Dieu doit se faire dans ta vie. Alléluia. Dans ta vie. C'est pourquoi nous devons combattre l'ennemi avec toutes les armes que Dieu nous a données. Nous devons nous lever pour combattre l'adversité. Alléluia. L'apôtre Paul nous a dit quoi? Il a dit que j'ai besoin de venir auprès de vous quand tu parles aux Thessaloniques. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. L'envie était là. D'accord? Le désir était là. Mais l'apôtre a dit que le diable m'a empêché. Donc, le mariage est là, mais l'ennemi est en train d'empêcher ces mariages. Donc, se plaindre ne changera pas la situation. D'accord? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi maintenant de se réveiller. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, oui, il y a la prière, mais il y a aussi des actes qui doivent accompagner la prière. Quelqu'un qui prie, Dieu donne-moi un mari. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme ne tombera pas du ciel jusque ta maison. Non, il y aura un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut sortir et aller à la rencontre de cet homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et oui, il faut sortir. Il faut fréquenter des endroits où tu pourras le rencontrer. D'accord? Parce que la bénédiction ne tombera pas du ciel. D'accord? Quand quelqu'un t'aborde dans la rue, il faut lui prêter l'oreille. Il faut l'écouter. Et toi, quand les gens t'appellent directement, tu es à l'offensive. D'accord? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut laisser la porte ouverte. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, le diable est là pour empêcher une destinée de s'accomplir. Donc, mais nous autres, enfants de Dieu, nous avons toutes les armes pour combattre l'ennemi afin que la nôtre, quand je dis la nôtre, c'est-à-dire ta destinée, puisse s'accomplir. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul nous a montré à travers la lettre qu'il a écrite aux Thessaloniciens que la volonté ne suffit pas. Le diable va combattre ta volonté. Alléluia. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, mais nous avons une aide importante que nous appelons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'aider, d'accord, à surmonter les obstacles que l'ennemi peut mettre au-devant de ta destinée. Vous savez, le diable, il est capable de détruire une destinée, il est aussi capable d'échanger une destinée. Donc, il en est capable. Nous avons vu des gens qui ont vu leur destinée être changée. Dans nos familles, la sorcellerie de tes ancêtres peut destiner de prendre ta destinée et de le donner à ta sœur. Donc là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu échange de destinée. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que tu as ce que moi j'appelle l'épée. L'épée qui est la parole de Dieu. Avec ton épée, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas reprendre ce que l'ennemi a échangé ou ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voulais encore dire à quelqu'un. Nous devons nous lever, nous devons lutter. Alléluia. Tu dois lutter pour l'accomplissement de ta destinée. La Bible nous dit, ne soyons pas inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. La volonté du Seigneur est que ta destinée puisse s'accomplir. Avoir, c'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois prier, tu dois t'attendre à Dieu, tu dois avoir une direction, une orientation de Dieu pour l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut jamais dire que non, 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 c'est la volonté de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tout n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu un enfant puisse naître aujourd'hui et mourir après 2 jours. Quelle est cette volonté? C'est peut-être pas, nous n'avons peut-être pas le même Dieu. Mais non, 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 bien-aimé dans le Seigneur, je n'y crois pas. La plupart du temps, quand je vois dans des deuils des hommes de Dieu faire des discours à Dieu, a donné, Dieu a pris. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fera qu'une voiture vienne détruire la destinée d'une personne. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les enfants de Job sont morts. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu l'a permis. D'accord? Si tu parleras de la volonté, parlons peut-être de la volonté permissible. C'est-à-dire que Dieu l'a permis, mais ce n'était pas dans sa volonté parfaite. Alléluia. Voilà, donc nous devons
Nous devons prier, nous devons lutter. Quand je dis lutter, donc c'est-à-dire que c'est un combat. Hein, une destinée ne s'accomplit pas facilement. Une destinée s'accomplit après des luttes. Ton combat n'est pas mon combat. Ta vie n'est pas ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a montré qu'il est avec toi. Alléluia. David avait reçu l'onction. D'accord? David avait reçu l'appel. D'accord? David était destiné à devenir le roi en Israël. Mais la Bible nous montre combien des occasions il a dit lutter, comment il n'a pas, il était prêt de perdre sa destinée. D'accord? L'ennemi l'a pourchassé, l'ennemi l'a poursuivi. Heureusement que Dieu était avec lui, heureusement qu'il était un homme de prière. Alléluia. Et parlons de Moïse, Moïse aussi a persévéré. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois persévérer. Dieu t'a montré quelque chose dans le rêve. Lève-toi le matin et commence à prier. Ne dis pas que ce qui est révélé est condamné. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que ce qui est révélé n'est pas condamné. Ce qui est révélé doit être condamné. Quand Dieu te révèle quelque chose, tu dois t'élever pour la condamner. Donc c'est à toi de jouer un rôle. Dieu attend que tu puisses prendre ta responsabilité et que tu changes quelque chose. Sinon, ce que tu as vu là, ça va s'accomplir. Et quand nous étions jeunes, on croyait que quand tu rêvais d'une personne et que cette personne-là était morte, tu lui ajoutais des jours. Non, bien-aimé dans le Seigneur, non. Dieu te montre réellement que cet homme-là est en danger et que tu dois intervenir. Parce que Dieu ne pourra pas te montrer quelque chose dans laquelle tu n'as pas un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer, c'est-à-dire que tu dois t'élever et combattre l'esprit de mort qui veut détruire la destinée de cette personne. Et donc tu dois prier contre cet accident que Dieu t'a montré. Peut-être le diable a déjà planifié l'accident pour détruire la vie de cette personne. Et Dieu cherche un ange intercesseur, parce que Dieu travaille toujours à travers des hommes. Dieu cherche quelqu'un qui pourra intervenir pour que cet homme reste en vie. Alléluia. Et c'est toi qui as été choisi. Alors joue ton rôle. Alléluia. Il faut lutter pour l'accomplissement de ta destinée. Il faut lutter, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc David a été choisi, mais il a dû lutter pour devenir roi. Et nous l'avons vu aussi avec Moïse. Alléluia. Donc si tu ne sais pas lutter pour l'accomplissement de ta destinée, Dieu va t'échanger. Alléluia. Il y a beaucoup de hommes de Dieu que moi je connais. Je ne veux pas citer les noms parce que peut-être vous direz, ah, l'apôtre a dit ceci. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je respecte la famille des autres, mais je vis des hommes mourir, surtout des hommes de Dieu, surtout des servantes de Dieu. Quand ils sont morts, Dieu me parlait, Dieu me disait, cet homme-là, il a échoué dans sa destinée. Donc cette destinée doit s'accomplir. Je cherche quelqu'un pour le remplacer. Ou bien il a déjà trouvé quelqu'un et cette personne doit accomplir cette destinée-là. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que lui fait pousser ses oppresseurs et je suis descendu pour le délivrer. Il lui dit, va chez Pharaon et dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. D'accord? Qu'ils aillent m'adorer. D'accord? Donc la mission de Moïse, c'était pas de s'arrêter devant la terre promise. Non, il devait y rentrer avec le peuple. D'accord? Mais un moment à l'autre, Moïse a failli dans sa mission, il a perdu sa destinée. Alors, le plan de Dieu devait continuer, parce que le peuple était à Kadesh-Barnéa, d'accord? Mais il devait rentrer dans le pays que Dieu leur avait promis. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fallait? Donc, l'homme doit être changé. Dieu a remplacé Moïse par Josué. D'accord? C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, prends Josué, fils de Noun, l'homme sur qui réside mon esprit. Alléluia. Et tu le feras participant de ta gloire, celui qui conduira mon peuple à la terre que j'avais promis à ses parents. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que tu ne sois pas changé. D'accord? Je prie que tu restes dans ta destinée. Saoul avait la mission. D'accord? Mais à un moment, bien aimé dans le Seigneur, cet homme a fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Et des erreurs à telle sorte que Dieu l'a dit non, jusqu'à ce qu'il est allé consulter les esprits. Alléluia. Et là, Dieu a dit non, 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 non. Mon peuple ne doit pas être conduit par quelqu'un qui est attiré par des divinités, par l'idolâtrie.
C'est alors que Dieu l'a changé. Dieu l'a remplacé. Dieu a pris David et il a placé sur le trône d'Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que tu dois lutter pour l'accomplissement de ta destinée. Oh, tu dois réussir. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Joseph a dit lutter. Joseph avait une vision. Chaque destinée est attachée à une vision. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as une vision, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Ne perds pas ta vision, quel que soit ce par quoi tu es en train de passer maintenant. Ma sœur, mon frère, garde ta vision. À travers l'histoire de Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons tirer plusieurs enseignements. Alléluia. Regarde son parcours. Alléluia. Regarde le difficulté qu'il a rencontré. Il a reçu la révélation de sa destinée. Dieu peut te parler, bien-aimé dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te montrer ton mariage. Oh, apôtre, moi je rêvais la nuit que j'étais marié. Je crois que je suis marié spirituellement. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut pas toujours interpréter le rêve comme étant quand Dieu te montre un mariage que tu es marié spirituellement. Non, Dieu te montre aussi ton futur mariage. Donc, dans son plan, dans son calendrier, il y a une date. Et cette date-là, c'est la date de ton mariage. Mais ça, il faut que maintenant, que cette réalité devienne, c'est-à-dire que cette révélation devienne une réalité dans ta vie. Alléluia. Oh, il ne peut rien faire sans avoir révélé, comment dirais-je, ce plan à ses serviteurs, le prophète. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous voyons le diable partout. C'est comme si le diable était plus diable que Dieu. Alléluia. Donc Dieu te montre en rêve. La première des choses qu'on voit, ah non, et Dieu m'a montré un mariage, c'est que je suis marié spirituellement. Non, 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 non. Dieu veut simplement te dire que il y a un mariage là devant toi. Il y a un mariage. Comporte-toi pour quelqu'un qui va rentrer dans le mariage. D'accord? Donc change de manière et réadapte certaines choses, certains comportements. D'accord? Que la femme qui se prépare pour le mariage ne se comporte pas comme tu te comportes. D'accord? Aujourd'hui, tu sors avec un homme, demain tu chantes, tu sors avec un autre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une même église, tu es déjà sorti avec trois frères. Et tu t'attends à ce que tu te maries. Non, même la personne qui viendra avec un bon projet du mariage, dès qu'il entendra les autres qui sont passés avant lui, et cette personne-là sera découragée. D'accord? Tu es dans une église et tu sors avec le pasteur. D'accord? Donc ça, c'est une abomination. Alléluia. Et tu t'attends à ce que tu te maries dans cette église-là. Et voilà, tu amènes même le pauvre monsieur auprès de ton gourou pour que ce soit lui qui vous impose la main. Bien-aimé dans le Seigneur, cette main-là, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction que tu t'attires. Alléluia. Un homme, soi-disant un homme de Dieu avec qui tu as eu des relations, avec qui tu as couché, ne peut pas bénir ton mariage. Ne peut pas bénir ton mariage parce que ce qu'il te donnera, ça ne sera pas la bénédiction, ça sera une malédiction. Tu dois quitter cette église, je te dis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois lutter pour ta destinée. Ta destinée vaut plus que 50 euros. On te donne un 50 euros, tu ouvres tes jambes. Non, ma sœur. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Lutte pour l'accomplissement de ta destinée. Le meilleur est devant toi. Alléluia. À cause de la convoitise, nous avons vu un homme qui a perdu sa destinée, un homme qui était appelé à la gloire, un homme qui était appelé à la grandeur, mais il a tout perdu. Pourquoi? Simplement à cause de la convoitise. Je parlais de Samson, un homme appelé à être libérateur, mais voilà ce que le diable a fait de lui, hein. Il était là en train de tourner la moule aux prisons. Alléluia. Ma soeur, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que cet enseignement est en train d'aider une personne? Bien-aimé, tu dois lutter pour l'accomplissement de ta destinée. Jeune fille, garde-toi.
Garde-toi que tu rentres dans ton mariage vierge. Ça sera une bénédiction pour ton mari et une bénédiction pour ton église. Ton pasteur sera fier de toi. Il sera fier de dire que j'ai apporté des enseignements et ces enseignements ont porté des fruits. Hein, au lieu d'ouvrir tes jambes à tout premier venime. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu demandes à Dieu de te bénir, mais regarde comment tu te comportes. Alléluia. Regarde comment tu te comportes. C'est toi-même qui es en train d'éloigner la bénédiction dans ta vie. Tu sors avec tout le monde, alors le diable t'envoie des sorciers. Hein, d'accord, pour venir détruire ta vie. Il vient avec leurs semences, il dépose dans ton corps, et ces semences se changent aujourd'hui par des myomes et des fibromes. Tu te plains, tu te dis, Seigneur, d'où sont venues ces maladies? Ces maladies sont venues parce que tu as couché avec n'importe qui, avec des hommes avec qui tu ne pouvais pas coucher. Alléluia. Il y a des démons parmi nous. Il y a des anges du diable parmi nous. Il y a des sorciers parmi nous. On le voit même dans les églises. Nos églises aussi sont remplies de sorciers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Garde-toi, ma sœur. Garde-toi, mon frère. Alléluia. Oh, lutte pour l'accomplissement de ta destinée. Tu as une destinée glorieuse. Et cette destinée doit s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur? Cette destinée doit s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu as une destinée que tu dois accomplir. Fais très attention avec ta colère. Tu dois détruire ta destinée à cause de ta colère. Nous avons vu Moïse. Est-ce que Moïse était obligé de tuer un Égyptien? Non, bien-aimé dans le Seigneur, il n'en était pas obligé. Dieu nous dit que tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Ben, il lui l'a tué. Pourquoi? À cause de sa colère. Donc, la colère peut t'écarter de ta destinée. Il y a un homme qui t'aime. Mais regarde comment tu parles avec cet homme. Tu lui parles comme si tu parlais avec ton enfant. Quand tu te mets en colère, tu oublies que celui-là, c'est un homme et que tu lui dois du respect. Alléluia. Même un enfant mérite du respect. Même un enfant a besoin qu'il soit bien traité. Mais regarde comment toi, tu traites les gens dans tes relations. Tu n'as aucun respect pour les autres. Et tu t'attends que Dieu puisse te bénir. Dieu, pourquoi? Pourquoi la cause, c'est toi? C'est parce que tu ne sais pas lutter pour l'accomplissement de ta destinée. Lutte contre la colère. Tu dois être vainqueur de la colère pour que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Jacob n'était pas obligé de voler le droit d'aînesse de son frère. Oh non, 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 il n'était pas obligé. Laisse-moi te dire qu'il n'était pas obligé. Pourquoi tu voles? Le vol ouvre la porte à l'ennemi contre ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois arrêter de voler les autres. Tu dois arrêter de voler dans le supermarché. Tu détruis ta destinée à cause de ce genre de comportement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je vais te scandaliser. Je veux dire que même Job n'était pas obligé de souffrir comme il a souffert. Oh, alléluia. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un, Dieu veut que tu rentres dans ta destinée. Tes ennemis ne sont pas plus forts que toi. Ézéchiel chapitre 16, le verset 27, Dieu dit, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis. Pourquoi Dieu peut livrer quelqu'un à la volonté de ses ennemis? À cause de notre incrédulité, à cause de notre orgueil, à cause de notre immaturité. Alléluia. Mais si nous restons fermes dans nos décisions, nous marchons avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu tombes, tu te relèves et tu continues à marcher. Alléluia. Tu dis à Dieu, je suis là. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose que Dieu avait écrite dans son livre s'accomplira dans ta vie. Parce que la Bible nous dit, quand j'étais une masse informe, alléluia, tissé dans le profondeur de la terre, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre était écrit le jour qui m'était destiné. Il y a des jours qui doivent s'accomplir dans ta vie. Et le séjour, ce sont des jours que Dieu lui-même avait prédestinés pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Oh, j'entends quelqu'un qui dit merci Seigneur pour ta parole.
Ah, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, merci pour cette parole. Cette parole, c'est ma parole. Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'as pas le droit d'échouer. Tu ne vas pas échouer. Avec tout ce que Dieu t'a donné, bon, la vie, tu ne peux pas échouer. Tu dois être un grand homme de Dieu. Oh, tu dois réussir. Tu dois avoir un ministère glorieux. Oh, les gens doivent attendre de parler de toi, de la divine alliance, des Isaac ministry dans le monde entier. Oh, jusque là, tu n'as pas encore commencé. Il y a une gloire devant toi et tu dois saisir cette gloire, tu dois rentrer dans cette gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'échoueras pas là où les autres ont échoué, toi tu resteras. Dieu est avec toi, lève-toi, lutte pour l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, j'aime bien me prêcher. Quand je prêche, je ne prêche pas simplement aux autres, je parle à moi, je me fortifie dans le Seigneur parce que je veux rentrer. Alléluia, je veux rentrer dans ma destinée. Je ne peux pas échouer, je n'ai pas le droit d'échouer. Seigneur, aide-moi à lutter contre le mauvais pensée, aide-moi à lutter contre la pornographie, aide-moi à lutter contre l'ivrognerie, aide-moi à lutter contre l'impudicité, aide-moi à lutter pour que j'accomplisse ma destinée sur la terre. Je suis venu pour accomplir ma destinée. Oh, il y a une gloire devant toi, ma sœur. Il y a une gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois lutter. Oh, tu dois lutter, bien-aimé dans le Seigneur. Que la convoitise ne te fasse pas perdre ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, Satan, c'est un menteur. Il te dit que tu vas échouer. Non, tu n'échoueras pas. Dis-lui que mon prophète, mon apôtre a dit que je suis appelé à réussir. Alléluia. Satan veut te donner le contraire de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans sa propre vie. Hein. Il était qui, bien-aimé dans le Seigneur? Il était un chérubin protecteur. Hein. Mais après la chute, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un destructeur, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce qui arrive. Quand quelqu'un rate sa destinée, il devient le contraire de ce qu'il devait être. Dieu t'avait prédestiné à avoir beaucoup d'enfants, mais comme tu as raté ta destinée, le diable a emprisonné tous tes enfants. Tes enfants existent quelque part. Ils sont dans des prisons sataniques, mais tu dois les libérer. Est-ce que tu peux les libérer? Est-ce que tu peux les libérer, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Les avortements, ils ont volé des enfants. À chaque fois que tu as avorté, ces âmes ont été emprisonnées quelque part. À chaque fois qu'il y a une fausse couche, c'est une vie que l'ennemi a volée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur? Je pense qu'il existe un principe que lorsque nous ratons notre destinée, nous devenons facilement l'opposé de ce que nous sommes prédestinés à devenir. Fais très attention de devenir l'opposé de ce que Dieu avait prévu pour toi. Fais très attention, bien-aimé dans le Seigneur. Combat, le bon combat de la foi. La Bible nous dit, j'avais dit que vous étiez de Dieu. Vous êtes tous le fils de très haut. Mais voilà que vous mourrez comme des hommes. Oh, quelqu'un dit avec moi, je ne veux pas mourir comme un homme. Ah non, moi je suis le fils de Dieu. J'aurais fils de mourir comme un homme. J'aurais fils de mourir par accident. J'aurais fils de mourir prématurément. Je suis un Dieu. Alléluia. Le psaume 82, le verset 6 à 7. J'avais dû que vous êtes Dieu. Vous êtes tous le fils de très haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu, il trouve ça anormal que quelqu'un soit mangé par les sorciers de sa famille. C'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Le sorcier n'est pas plus fort que toi. Il n'est pas plus puissant que toi. Sa puissance, la puissance avec laquelle il opère, cette puissance-là n'est pas plus importante ou plus fort que la puissance qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, nous élevons nos voix. Il est déjà temps de passer à la prière. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux lui dire merci parce que ce matin, il t'a parlé. La révélation de sa parole nous a éclairé. Alléluia. Dis-lui merci ce matin. Oh, j'attends quelqu'un qui dit merci à Dieu. Dis-lui merci. Oh, dis-lui merci ce matin. J'attends quelqu'un qui bénit le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Mon âme bénit le nom du Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne mes iniquités. Oh, celui qui guérit mes maladies. Oh, celui qui délivre ma vie de la fosse. Celui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie le bien de ma vieillesse. Alléluia. Élève ta voix
Oh, mon âme bénit le nom du Seigneur. Oh, mon âme bénit le nom du Seigneur, le Dieu de ma vie, celui qui m'a béni, celui qui m'a gardé, oh, celui qui m'a donné les enfants que j'ai, la vie que j'ai. Est-ce que mon âme, tu peux bénir le Seigneur ce matin? Ah, j'entends quelqu'un qui dit à son âme, bénis le nom du Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est que mon corps a oublié. Toi, mon âme, ne l'oublie pas. Mon âme, bénis le Seigneur. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Pour de nombreuses fois, je pleurais et sa main était là pour penser, pour essuyer mes larmes. Mon âme, bénis le Seigneur. N'oublie pas le Dieu qui t'a tiré, le Dieu qui t'a pris de la République démocratique de Congo et pour t'amener en Belgique. N'oublie pas que quand je suis venu ici en ce pays, je n'avais qu'en valise. Et aujourd'hui, je de vêtements que je ne peux pas compter. Mon âme, n'oublie pas le bonté de Dieu. Le Dieu qui m'a donné un ministère, le Dieu qui m'a donné une femme, et le Dieu qui m'a donné des enfants, le Dieu qui m'a donné de l'intelligence, le Dieu qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Ah, j'entends quelqu'un qui prie, j'entends quelqu'un qui élève sa voix et qui bénit le nom du Seigneur. Mon âme bénit le nom du Seigneur et n'oublie pas, mon âme, n'oublie pas le Dieu qui m'a délivré. N'oublie pas. Élève ta voix, ma sœur, commence à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Le Dieu de ta vie. Alléluia. J'entends quelqu'un qui bénit le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Oh, dis-lui, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Oh, dis-lui, Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Écoute-moi, la Bible nous dit, il pouvait aussi rester assis sur son trône. Mais la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 8, 3, le verset 8, que le Fils de l'homme est apparu enfant de détruire le cerveau du malin. Il est apparu pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Et il est venu détruire ce que le diable a fait dans ce monde. Nous voulons élever nos voix. Nous voulons dire merci à Dieu, alléluia, le Dieu qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Élève ta voix, ma sœur, commence à le bénir ce matin. Oh, bénis le nom de Dieu ce matin. Oh, bénis le nom de Dieu ce matin. J'entends quelqu'un qui bénit le nom de Dieu ce matin. Élève ta voix, ma sœur, commence à le bénir. Dieu, merci pour sa protection dans ta vie. Hein. Et lui qui a déployé ses anges pour te protéger. Élève ta voix, commence à le bénir ce matin. Oh, ce matin, nous bénissons le nom de notre Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, toi qui as réduit à l'impuissance par ta mort, oh, celui qui avait le clé de la mort, oh, toi que j'appelle Jésus-Christ et de Nazareth, je viens te bénir ce matin. Je te dis merci parce que tu m'as donné la vie. Oh, tu m'as donné la vie, pas seulement la vie éternelle, mais aussi la vie que j'ai ici sur la terre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ et les Nazareth. Oh, toi qui m'as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Laisse-moi te bénir ce matin. Oh, laisse-moi t'exalter ce matin. Au nom de Jésus-Christ et les Nazareth, nous élevons nos voix bien-aimées et nous sommes en train de bénir le nom du Seigneur. J'entends quelqu'un qui bénit le nom du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ et les Nazareth. Oh, quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, oh, merci pour ma destinée. Merci pour ma destinée. Alléluia, je vais accomplir ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, je refuse de voir ma destinée être changée par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, alléluia, nous allons prier bien aimé dans le Seigneur pour ta destinée. Nous allons prier pour ta destinée. Nous allons annuler l'échange. Nous allons annuler les échanges qu'il y a eu. Le diable a échangé certaines choses dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons annuler ces échanges. Change et nous allons remettre toutes choses à sa place. Allez, lève-toi, commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, que les anges de Dieu localisent. Oh, alléluia, tout ce qui t'appartient, hein, là où l'ennemi les a échangés, et le remettent à leur place dans ta vie. Hein. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, commence à prier maintenant. Demande à Dieu d'envoyer ses anges pour restaurer ce que l'ennemi a voulu détruire dans ta vie. Hein. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Arrête-toi.
Alléluia, je refuse d'être échangé. Alléluia, je refuse d'être l'ennemi de ma destinée. Donc, quelqu'un dit avec moi, je refuse d'être l'ennemi de ma destinée. Oh non, quelqu'un n'a pas dit, Seigneur, je refuse d'être l'ennemi de ma destinée. Et Satan, tu ne vas pas changer ma destinée. Satan, tu ne vas pas détruire ma destinée. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le pouvoir. Je refuse d'être l'ennemi de ma destinée. Aucun pouvoir des ténèbres ne peut utiliser ma destinée contre moi. Oh non, j'entends quelqu'un qui dit avec moi, aucun pouvoir des ténèbres, aucune autorité ne peut utiliser ma destinée contre moi. Satan, ma destinée n'est pas à vendre. Oh non, j'attends quelqu'un qui dit avec moi, sorcier de ma famille, agent du diable, ma destinée n'est pas à vendre. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui a été vendu dans ma destinée, je viens le récupérer ce matin et j'annule toute vente des destinées qui s'est passée dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma destinée n'est pas à vendre. Mes enfants n'est pas à vendre. Je récupère ma destinée. Je récupère la destinée de ma femme. Je récupère la destinée de ceux-là qui me sont chers. La destinée de mes enfants. Que toute destinée que le diable m'a volée, mais soit restituée maintenant. Mais soit restaurée maintenant. Au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui dit ma destinée ne pas à vendre. Annonce à toi ma destinée ne pas à vendre. Mes enfants ne sont pas à vendre. Libère mes enfants dans tes prisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la prison qui retient mes enfants captifs. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu ouvre le porte de prison satanique dans laquelle mes enfants sont enchaînés, dans laquelle mes enfants sont limités, dans laquelle mes enfants sont liés. Au nom puissant de Jésus, je libère ma sémence partout où elle se trouve. Au nom puissant de Jésus, Satan, ma destinée n'est pas à vendre. Satan, ma destinée n'est pas à échanger. Au nom puissant de Jésus, aucun pouvoir des ténèbres n'a le droit d'utiliser ma destinée contre moi, d'utiliser ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En quelqu'un dit avec moi, toute flèche maléfique envoyée pour défier ma destinée, retour à ton envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, toute flèche maléfique a tiré contre ma vie. Je te défie ce matin. Je te fais retourner à ton envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute flèche enflammée envoyée contre ma destinée soit déviée maintenant. Localise ton propriétaire. Retourne-le-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à lever le flèche maintenant. Toute flèche de la mort envoyée contre ma destinée dans le rêve. Perds ta puissance, retourne à ton envoyeur, au nom puissant de Jésus. Toute flèche de la mort envoyée contre ma destinée, dans mes rêves, je te retourne à ton expéditeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à prier pour ta destinée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, nous sommes en train de prier, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, repositionne moi dans ma destinée, que je sois au bon endroit pour accomplir ma destinée. Repositionne-moi. Oh, j'ai besoin des amis de ma destinée. Oh, j'ai besoin des hommes de ma destinée. Oh, je veux être avec ceux-là que tu veux que je sois. Loin de moi toutes les mauvaises personnes, tous les parasites, et toutes les personnes que le diable me fait entourer pour m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Que ces hommes s'écartent de moi, que ces hommes s'éloignent de moi en non puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, lève-toi et que les ennemis de ma destinée soient dispersés par ton feu. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, lève-toi, que les ennemis de ma destinée soient dispersés par ton feu. J'envoie le feu de Dieu pour disperser les ennemis de ma destinée, les ennemis de ma destinée, les ennemis de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dit avec moi, je reçois le pouvoir et d'accomplir ma destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, je reçois le pouvoir d'accomplir ma mission sur la terre, d'accomplir ma destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à prier maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier.
commence à prier. Ah, j'entends quelqu'un qui prie bien. Au nom puissant de Jésus-Christ et des Nazareth, ta destinée ne sera pas avortée. Au nom puissant de Jésus-Christ et des Nazareth. Oh, quelqu'un dit avec moi que toute personne qui me représente dans des réunions maléfiques, que le feu de Dieu t'est consumé et t'est détruit. Ma destinée ne doit pas être représentée dans le monde des ténèbres. Dans le cimetière, rien ne doit me représenter. Dans les eaux, rien ne doit me représenter. Que tout ce qui me représente sur les autels maléfiques, dans les réunions sataniques, soit consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, allez, commence à prier. Refuse d'être représenté. Oh, que celui qui a pris ta photo, elle a imprimé ta photo, il a imprimé ta photo, il a donné auprès d'un féticheur. Et tu es maudit à travers de ta photo. Et commence à prier maintenant. Que la chose qui me représente sur les autels tel maléfique devienne une flamme de feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la chose qui me représente sur les autels maléfiques, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, allez, commence à prier maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, écoute-moi, nous allons prier. La Bible, David a dit à Dieu, fais de mes combats tes combats. Il y a ceux-là qui sont en train de combattre ta vie. Oh, il y a ceux-là qui sont en train de combattre ta destinée. Oh, que le feu de Dieu le localise maintenant et que le feu de Dieu puisse le faire échouer. Nous le défions par le feu. Nous le défions par le feu de Dieu. Allez, monte dans la prière maintenant. Commence à prier. Allez, demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis venu défier mes ennemis. Je suis venu les défier. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, continue à prier maintenant. Allez, priez. Nous sommes en train de prier ce matin. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, est-ce que nous pouvons recommander, ta journée entre les mains de Dieu? Nous voulons faire appel à la faveur de Dieu dans ta vie cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, nous voulons appeler le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu te conduit tout au long de cette journée, que l'Esprit de Dieu dirige tes pas, que l'Esprit de Dieu conduit tes pas, invite le Saint-Esprit de Dieu dans ta journée. Alléluia, dis-lui Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. L'Esprit de Yahweh Sabaoth descend sur moi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Nous sommes en train d'invoquer le Saint-Esprit dans ta vie. L'Esprit de Yahweh Sabaoth descend dans ma vie. Que tous les démons qui sont en moi reçoivent le feu de Dieu et qu'ils soient calcinés, qu'ils soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous sommes en train d'invoquer le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 12, le verset 29, la Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Tu dis, Seigneur Jésus, et que le feu du Saint-Esprit descend en moi, et que tous les démons qui se trouvent en moi soient consumés. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 29, que mon Dieu est un feu dévorant, descend comme une flamme de feu dans mon âme, dans mon corps et dans mon esprit, et consume au nom de Jésus-Christ et de Nazareth tout ce qui doit être consumé dans mon corps, en moi et tout autour de moi, et au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un qui invoque le feu du Saint-Esprit. J'entends quelqu'un qui invoque le feu du Saint-Esprit. In Jesus' mighty name, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, Satan, je te commande. Vous savez, Satan, il ne parle pas négociation, tu dois le commander. Tu lui libère ma destinée. Libère ma destinée, Satan, libère ma destinée. Alléluia, démon, libère ma destinée. Sorcier, libère ma destinée. Agent du diable, libère ma destinée, quelle que soit ta nature. Sirène des eaux, sirène des côtes. Alléluia, libère ma destinée. Que toute main noire qui a touché à ma destinée soit paralysée maintenant, au nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui regarde ma destinée soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Que les oreilles qui écoutent les sons de ma destinée deviennent sourdes maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Allez, continue à prier maintenant. Allez, continue à prier maintenant. In Jesus' mighty name. Toujours bon de la bienvenue dans le Seigneur. Ah, nous sommes en train de prier. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, nous sommes en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur Jésus, couvre-moi par ton sang? Ah non, quelqu'un n'a pas dit, Seigneur, couvre-moi par ton sang. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons invoquer le sang de Jésus. Alléluia, que la bénédiction de Dieu descende dans ta vie, que le sang de Jésus-Christ te couvre la tête jusqu'à la plante de pied. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons prier pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons prier pour ta vie. Nous voulons prier pour ta vie. Et tu vas demander à Dieu de bénir ta vie. Dis-lui, Seigneur, bénis ma vie. Dis-lui simplement ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans la bénédiction, il y a tout ce dont tu as besoin. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, bénis ma vie et guéris mes maladies? Ah non, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, guéris mes maladies et bénis ma vie. Ah. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur Dieu bénisse ton corps et qu'il délivre ton corps de toutes les maladies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, nous allons recommander entre les mains de Dieu toutes les bonnes choses que Dieu a voulu pour toi. Alléluia. Et tout ce que Dieu a préparé pour toi, que l'ennemi ne veut pas que tu puisses le voir, tu dois prier maintenant. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Tu vas recommander ta vie entre les mains de Dieu. Tu vas recommander ta destinée entre les mains de Dieu. Il y a 600 ans, avant que Jésus n'ait aille sur la croix du calvaire, vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Ésaïe avait prophétisé que c'est par le maître sûr de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Ce matin, nous voulons prier pour ta guérison. Je sais que ton médecin a parlé. Il a dit que cette situation ne changera pas. Mais la Bible me dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Nous allons appliquer la foi dans ta situation. Prends ta main droite, bien-aimé dans le Seigneur, et mets-les là où tu as des douleurs. Ces douleurs vont disparaître à l'instant, maintenant que nous sommes en train de prier. La Bible nous dit, il a porté nos souffrances, et ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Hein. Bien-aimé, il s'était déjà chargé de tes douleurs, une des raisons pour laquelle toi, tu ne dois plus porter de douleurs. Prends ta main, place-les là où tu as des douleurs. Tu vas répéter avec moi, douleur, tu dois quitter mon corps maintenant, selon Ésaïe chapitre 53, le verset 3. Tu n'as pas de raison de demeurer dans mon corps. Douleur, quitte mon corps maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux le répéter ce matin? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux dire à la douleur de quitter ton corps ce matin? Est-ce que tu peux dire à la maladie de quitter ton corps ce matin? Est-ce que tu peux dire à toutes les complications de la santé de libérer ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton corps n'est pas le temple de la maladie. Hein. Ton corps est le temple du Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui prophétise, je suis en bonne santé hein, et que la maladie est vaincue dans ma vie. Hein. Est-ce que tu peux le prophétiser? Est-ce que tu peux le déclarer que la mort n'a aucun pouvoir sur toi? Car à la croix du calvaire, Jésus a pris tous tes péchés et il a pris ta mort, il est mort à ta place. Est-ce que tu peux le répéter? Est-ce que tu peux le répéter? Et il a été enseveli à ta place. Il est ressuscité pour toi. Il était mort pour toi. Il vit maintenant pour toi. Il est ressuscité pour toi. Élève ta voix, commence à prier maintenant. In Jesus name. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Le Jésus qui s'est fait malédiction, afin que tu puisses vivre dans la bénédiction. Commence à prier maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, toutes les choses anciennes sont passées dans ma vie. Ah, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis vainqueur, je suis béni, je suis restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous voulons recommander simplement la journée. Que toutes les portes que l'ennemi avait fermées en ces jours s'ouvrent maintenant. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu te fasse rencontrer de bonnes personnes en ces jours. Que tu sois dans le bon endroit. Déclare la parole de bénédiction dans ta vie. Le lion de mes ennemis ne me mordira pas, ne me tuera pas. Ce qui a tué mes parents, ce qui a tué le membre de ma famille ne pourra pas m'atteindre. Moi, pour la vie, je suis venu en Belgique pour accomplir une destinée. Et cette destinée est glorieuse. Seigneur, tu m'as appelé dans le ministère pour que je sois grand. Et je suis grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci pour tout. Que la louange et la gloire te soient rendues maintenant et à jamais. Merci pour ma vie. Merci pour ma santé. Merci pour ma journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, protège-moi. Seigneur, couvre-moi. Seigneur, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Viens en attendant mon secours. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon âme a besoin de toi. Mon corps a besoin de toi. Mon esprit a besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Que cette journée soit favorable pour moi. Que cette journée, Seigneur, m'apporte la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Merci à toi, fidèle et tendre Père. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen et Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette prière. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse vous tous qui avez précédé l'aurore avec moi ce matin. Je vous recommande entre les mains de Dieu. Je vous souhaite une très bonne journée, une journée pleine de bénédictions. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu marche avec vous. Marchez la tête haute, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Voilà, nous sommes aujourd'hui à vendredi, donc nous commençons notre séminaire avec notre ami, notre frère, le pasteur Mafuta Patu de l'Angola. Donc il est de nôtre et il commence déjà son séminaire aujourd'hui à 18h. Donc à 18h nous avons notre campagne de notre 3 journées de délivrance qui commence aujourd'hui avec notre bien-aimé le pasteur Patu Mafuta. N'y manquez pas, soyez là. Donc et le samedi nous serons là encore et puis le dimanche il sera de notre à Liège et ici à Bruxelles. Voilà, donc c'était bien votre professeur, je dirais votre professeur, donc votre frère, votre ami, votre petit frère, votre grand frère, votre papa, l'apôtre Bolavie Isao, l'époux et le mari d'une seule femme sans l'intention de divorcer. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Une très bonne journée à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci et au revoir.